Ousmane Nielui Diallo. La famille, partagez le live au maximum. On va parler de Agi le King. Agi le King, bonsoir. Vous savez, Agi le King, quand il parle d'abord, il dit Ouzbillah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Agi le King, mon frère, bienvenue à toi, mon frère. Tu as compris maintenant. Tu es revenu là où il y a la vérité. Agi le King, la personne qui t'a conseillé de venir rejoindre le CNRD, t'a donné un très bon conseil. Agi le King, tu sais, mon frère, quand nous, les Nielui, on a quitté UFDG. Toi, Agi le King, tu avais pensé que nous, on était des traîtres. Aujourd'hui, c'est ton tour aussi de quitter. Donc, il faut aussi se rappeler, les gens aussi diront que tu es un traître aussi. Les aigles diront que tu es un traître. Mon frère Agi, tu as des enfants. Tu as une famille à nourrir. Tu as une vie à faire. Agi le King, tu as pris ce qu'on appelle la bonne décision. Tu n'avais jamais pris une décision sur cette terre plus que cette décision que tu viens de prendre. Mon frère, ce que le CNRD peut apporter pour toi, ton ancien parti, ne peut pas te donner ça. Tu sais, Agi le King, quand on essaie de t'expliquer avant, tu ne comprenais pas. Mais Dieu merci, tu as compris maintenant. Dieu merci, Alhamdulillah, tu as compris. Et tu commences à comprendre. Et tu vas comprendre aussi. Agi le King, tu es la bienvenue dans le CNRD. Le CNRD n'est pas un parti politique, Agi le King. Donc, mon frère, tu es la bienvenue encore une fois de plus, tu es la bienvenue, mon frère. Il faut t'assumer. En fait, tu viens de prendre une très bonne décision. Et je te garantis et je te promets que par là, au CNRD, tu n'auras pas honte. Tu seras la bienvenue. Tu vas être la bienvenue maintenant. Et tu es la bienvenue encore. Tu n'avais pas encore compris, mais tu as compris. Une fois de plus encore, Agi le King. Une fois de plus encore, Agi le King. Tu as compris. Je prie Dieu que tous les autres aussi qui n'ont pas compris, que tous ces gens aussi comprennent aussi comme nous, la manière dont nous on a compris. On veut que aussi toi aussi tu comprends de cette manière. Agi le King, je ne vais pas te mentir. Nous on va venir, on va présenter Mamadi Doumbouya. On va le présenter. Il veut, il ne veut pas. Nous, on va venir, on va le présenter. Nous, on va le présenter. On va le présenter par Aigria encore.
Tu sais, il y a certaines personnes en République de Guinée, c'est des gens qu'on appelle Bobo et Nanera, Bobo. Et tous les Mouna, et Yamouna. Agile le King, tu es la bienvenue, mon frère. Tu vas voir maintenant c'est quoi la réalité de cette vie. Tu vas connaître maintenant la réalité. Tu vas connaître c'est quoi la vie. Parce que tu étais dans un clan fermé. Tu étais dans une équipe fermée. En fait, des gens qui tournent autour, qui ne bougent pas, qui ne fait que tourner, 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 tourner autour, qui ne connaît pas. Quand on t'avait expliqué ici, Agile King, on t'avait expliqué ça. Quand nous, on a quitté le parti, tu nous as traités d'ingrats, tu nous as traités de traîtres, tu nous as traités de malfrats, tu nous as traités de quelqu'un qui a trahi. Et aujourd'hui, toi-même, Agile King, tu as vu la réalité. Toi-même, Agile King, tu as vu aujourd'hui comment tu te sens. Même quand tu as un problème, Agile King, quand tu appelles, les gens ne décrochent pas. C'est la moindre des choses. Ce qui est bien dans la vie, ce qui est bien dans la vie, quand tu fais combat pour quelqu'un, au moins, quand tu prends ton téléphone, tu l'appelles, il décroche. Agile King, moi, tu as tout mon soutien. Tu as mon soutien à vie. Tu as mon soutien, tu as mon soutien, tu as mon soutien à 700 000 fois. Agile King, tu as mon soutien total. Parce que tu viens de comprendre. Tu viens de. Tu étais en train d'apprendre. Maintenant, tu as appris et tu as compris. Que Dieu, d'autres personnes aussi vont comprendre aussi, comme toi, Asilo King. Dieu te bénisse. Dieu te protège, Asilo King. Bienvenue dans le CNRD. Bienvenue, mon frère. Tu as compris maintenant. Quand on t'expliquait, tu ne comprenais pas. Mais Dieu merci. Toi-même, tu es sorti, tu as expliqué. Toi-même, tu as expliqué que quand tu as des problèmes, quand tu prends ton téléphone, tu appelles, personne ne décroche. Ça, c'est un manque de respect à ton égard. Et ici, au CNRD, je te promets que quand tu appelles au téléphone, les gens vont te décrocher. Les gens vont te considérer. Les gens vont prendre soin de toi. Les gens vont te mettre à la première ligne. C'est ça le CNRD. Ils considèrent les gens. Ils vont te mettre à la une. Ils vont te mettre à la première ligne. Donc c'est ça, mon frère Agile King. Tu sais, toi et moi, on était toujours opposés. Mais maintenant, on n'est plus opposés, toi et moi. Maintenant, nous sommes dans le même esprit. Parce que tu as compris. Là où tu as compris, là où tu as vu, là où tu as compris, là maintenant, je te promets et je te donne ma parole d'honneur. Cette décision que tu viens de prendre est la meilleure décision de l'année. Toutes les décisions que tu as prises dans l'année, c'est la meilleure des meilleures et des meilleures décisions que tu as prises. Tu verras, le CNRD va prendre soin de toi. Le CNRD va te respecter. Le CNRD va faire de toi un homme digne, un homme exceptionnel. Tu seras à la première ligne de tous les événements. Donc, Agile King, bienvenue une fois de plus. L'objectif, c'est quoi? Agile King. C'est pour qu'on fait en sorte qu'on présente Mamadi Doumbouya. Il va être élu démocratiquement pour les nouvelles élections. Je sais, ça ne sera pas facile, Agile King. Mais on peut se battre. On peut se battre. C'est ça l'objectif.
Il faut faire en sorte que Mamadi Doumbouya soit élu comme président de la République démocratiquement dès le premier tour des nouvelles élections. Voilà. Nous, on ira voter. On va aller voter par Aigria. On va aller voter pour Mamadi. On va aller voter pour lui. En fait, on va aller voter pour lui, en fait, par Aigria. En tout cas, moi, j'irai voter par Aigria pour Mamadi Doumbouya. Ouais. J'irai mettre ma carte dedans. Et puis, je filme encore. Je mets Mamadi Doumbouya. Je mets le coche. Je coche. Je mets pour lui dedans. Voilà. Tu as compris, Asie le King? C'est ça, la famille. Voilà, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on fait ressortir ce qu'on appelle. Il faut qu'on fait ressortir, montrer au monde entier ce que Mamadi Doumbé est en train de faire aujourd'hui. C'est ça la vérité, mon frère. Il faut s'assumer. Nous, on s'assume. On doit préférer Mamadi Doumbé que les gens qui brûlent les pneus. En tout cas, entre Mamadi Doumbouya et les gens qui brûlent les pneus, moi je prends Mamadi Doumbouya. Ça, c'est. Ça, y a même pas. Moi, quelqu'un n'ose même pas me poser d'abord cette question pour me dire que pourquoi tu soutiens Mamadi. Parce que quand tu me poses cette question, toi et moi, c'est sur Facebook qu'on va régler. Ouais. Toi et moi, c'est sur Facebook qu'on va régler. Pour toi et moi. Moi, ce n'est pas à dire. C'est aller-retour de. Moi, ce match, on fait terre à terre sur Facebook ici. Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Parce que bouge là. Ce n'est pas crédit. On ne recharge pas. On ne recharge pas la bouche. Hein. On ne met pas carte de recharge dans la bouche ici. On ne recharge pas la bouche. On ne met pas crédit dans nos bouches. On va parler yat yat. Donc la famille Asie le King, CNRD, souhaitons la bienvenue à notre King Asie 224, le blogueur le plus suivi de l'année 2023-2024. Donc la famille, donnons-nous la main. Donnons-nous la main, la famille. Donnons-nous la main pour qu'on présente Mamadi Doumbouya, pour qu'on le mette notre futur candidat. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Le mettre comme notre candidat. Le mettre devant. Voilà. Faut laisser agir. Faut t'assumer, hey, agir. Il faut être à la place publique, tu parles. Hey, agis. Les leaders que tu es en train de faire combat pour eux là, eux tous, ils appellent Mamadi Doumbouya pour lui dire allô, Mamadi, ça va, tu vas bien, et pardon, je vais rentrer en Guinée, je vais faire ça, je vais faire ça, pardon, mais il ne faut pas expliquer à quelqu'un qu'ils étaient appelés au téléphone. Hein. Et ils appellent Mamadi, et ils envoient des SMS pour Mamadi, pourquoi toi? Regarde, quand tu as dit ici, Agile le King, quand tu as dit, comment dirais-je, quand tu as dit ici, Son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, ils t'ont insulté directement, que toi tu ne dois pas dire ça. Et pourtant, les gens pour qui tu fais combat pour eux, ils appellent Mamadi Doumbouya. Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Et il l'appelle comme ça, le général. Voilà. Donc toi, comme tu as changé, avant tu disais à Mamadi Jordan, maintenant tu as décidé de changer ça. Maintenant tu as décidé de changer ça. Tu as décidé maintenant de respecter
Hein? Donc tu en fait tu respectes ta décision. Hey, tu as décidé de changer, tu as décidé d'être sur la bonne voie maintenant. C'est ça qu'on appelle la bonne voie. Mon frère Agile le King, moi je vais pas te mentir, hein. C'est ça là qu'on appelle la bonne voie. C'est ça qu'on appelle, tu es dans la bonne voie maintenant, tu es dans la bonne direction maintenant. Maintenant tu es devenu, en fait, tu es devenu un vrai blogueur maintenant. Avant, tu ne connaissais pas ce que tu faisais, mais nous on te comprend, nous on te pardonne. Le CNRD te pardonne. Le CNRD te pardonne de tout ce que tu as dit sur eux. Je te promets que le CNRD, ils vont te pardonner tout ce que tu as fait. Ils ont un cœur qui est bon et ils pardonnent. Tu as compris tout ce que tu as dit sur le CNRD et ils ont pardonné déjà. En plus, j'ai dit à tout le monde dans le CNRD, tout ce que Agile King a dit, laissez tomber. C'est la politique. Il était induit dans les erreurs. On l'avait mis dans les erreurs. En fait, c'était un homme qui était manipulé. Agile King était manipulé. En fait, il y avait de courant, il y avait neutre et neutre qui étaient branchés sur lui. Donc, il ne savait pas ce qu'il disait. Maintenant, Dieu merci. Le neutre est enlevé, c'est plus et moins qui est sur lui maintenant. Il fonctionne bien maintenant. C'est ça la famille. Vous avez compris? Donc, Agile King, tu seras la bienvenue en République de Guinée. Hein? Tu vas arriver à Conakry avec fanfare. On va aller t'accueillir à l'aéroport. On va faire une mobilisation pour t'accueillir, pour te montrer que tu es la bienvenue en République de Guinée. On va te montrer que la République de Guinée, c'est ton pays. Personne ne peut te chercher ici en République de Guinée tant que tu es sur le bon chemin. C'est ça la famille, c'est ça la vérité. C'est ça les gens ont peur d'expliquer aux gens. Mais Dieu merci moi. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, personne ne met ma connexion. Si quelqu'un, moi, s'hasarde, un blogueur, si moi, un blogueur, s'hasarde à venir parler mon nom sur sa vidéo, c'est comme ça. C'est comme ça que je vais boire à Khorekwe. Vous avez vu J là? Non, c'est comme ça, je mets dans ses fesses, comme ça, le blogueur là. Après, je bois. Voici quelqu'un me contredit. Ou bien quelqu'un n'a qu'à venir sur Facebook, si tu es un garçon. Si tu es un garçon. Si ma vidéo là, tu n'as pas aimé, faut aller allumer live pour moi. Et que je vois le live là. Si tu es un garçon. Si vraiment Kayanana, Goulou, Keme, Nana, en bas de toi, il faut allumer un live pour moi.